parce que elle m'a dit par après, tu vois, mais à un moment, tu vois, je vais avec mon frère acheter des vêtements, quoi. Mais elle vient pas avec nous. Elle m'a dit, vas-y, va avec lui tout seul, je reste là, je vous attends, tout ça. Le feu va mourir. Le feu. Non, il va pas mourir. Mais du coup, ouais, je la laisse tout seul, du coup, je vais chercher des vêtements tranquillement. Du coup, j'achète quoi? Un petit gilet, un petit jean tranquille, enfin des vêtements quoi. Et genre, je revais la voir, et je lui montre, enfin vite fait. Et à un moment, je lui dis, tu veux monter avec moi pour que je te montre, genre à l'hôtel? Et ça, elle a pas apprécié, tu vois. Mais elle m'a pas dit sur le moment. Elle m'a dit ça genre un mois après. Elle m'a dit que ça l'avait pas plu. Et moi je pouvais pas le savoir du coup. T'avais l'air juste un bon ami, genre. Bah elle m'a pris pour. Elle a cru que T'avais je voulais jamais été la convenu violer avec un quoi. hôtel? C'est ça. Elle a cru que j'allais la violer quoi. Et du coup. Violer, c'est un peu extrême, non? Non, je te jure, c'est vraiment ce qu'elle m'a dit. Genre, sa pensée sur le moment, c'est que j'avais la vie. Que genre, quand on allait monter à l'hôtel, on allait faire le truc, la chose. Morte. Elle a cru qu'on allait faire la chose, quoi. J'allais la forcer à faire bah, l'amour, quoi. Alors que pas du tout, tu vois, je voulais juste montrer mes habits, quoi. Je viens d'acheter, je voulais montrer et tout. Mais du C'était coup, peut-être juste un peu bipolaire. ah mais je t'ai déjà dit qu'elle s'était faite violer à son passé quand elle avait 16 ans ou je sais plus quel âge, bref, 17 ans, je sais plus vraiment à quel âge, mais voilà. Et du coup elle a cru que j'allais faire la même chose que son ex quoi, donc voilà. Alors que pas du tout, tu vois. Mais bref, du coup, sur le moment elle est pas dit, tu vois. Du coup je repars de chez elle, j'étais resté que 3 jours. Dans sa ville Elle et habite à à Toulouse. Toulouse et du coup au moment où je pars tu vois genre ça se passe bien hein, genre et tout. Elle me laisse un mot elle me dit tu le liras quand t'es dans le train et du coup on se fait un bisou tout ça genre bim on se laisse quoi mais à un moment j'avais pas capté elle m'avait dit une phrase mais j'avais pas capté genre, elle m'avait dit la distance a posé problème, un bail comme ça, elle m'avait dit. Mais j'avais pas capté quand elle m'avait dit ça. Et du coup, dès que je rentre chez moi, genre dans ma ville de Turquie, là, tout pété ou ça, dès le lendemain, genre, bah elle avait arrêté de me parler un peu. Genre, elle a pris ses distances. Et je comprenais pas, tu vois, je me suis dit, mais pourquoi tu me parles moins et tout? Alors, elle me répondait pas. Et plusieurs jours comme ça, je force un peu pour savoir. Elle me dit pas. Et à un moment, elle me parle plus du tout. Et du coup, c'est parti en harcèlement, on va dire. C'est parti en harcèlement. Parce que je lui ai envoyé des messages, je lui ai envoyé des messages, je lui ai envoyé des messages. Elle me répondait pas, tu vois. Je comprenais pas pourquoi. Du coup, ça m'énervait. Je voulais savoir. Et du coup elle ne répondait pas, du coup je faisais quoi? J'avais pris le téléphone à ma mère pour lui envoyer un message, pour me faire passer pour ma mère, tu vois, en mode ouais mon fils il s'inquiète, il se passe quoi entre vous et tout. J'étais en mode comme ça, tu vois, pour qu'elle me réponde. Après elle me dit ouais mais je vous promets que j'irai les voir un jour et tout. Je suis en mode ok, donc elle a pas oublié tu vois. Puis après un moment J'ai un minibus. non mais t'inquiète c'est un bug d'affichage il est déjà mort ça fait ça tout le temps tu verras jusqu'à la vague 12 il y aura ce truc affiché et c'est très chiant ouais du coup quelques mois après genre un mois après je crois j'y retourne la voir mais tout seul cette fois-ci tu vois. Mais je lui dis pas, tu vois. Et du coup, le premier jour que je suis là dans sa ville, elle me dit, ouais, mais moi je pourrais pas venir te voir et tout. Elle me dit, je verrai peut-être demain. Et du coup, je suis resté, genre,
Il va mal, le feu va mal. Il faut le nourrir. Moi, j'ai pas de nourriture. Du coup, elle est en jeu, je suis là avec le sens-midi. Mais oui, mais oui, mais du coup, je revais la voir. Mais j'apprends une nouvelle à ce moment-là, tu vois. Genre, elle me dit, genre, je suis à l'hôtel, on se fait un appel vidéo et tout, genre. Elle me dit, ouais, mais j'ai un truc à te dire. Si je te le dis, tu voudras pas qu'on se voit et tout. Ouais, du coup, elle me dit, genre, on se fait un appel et tout. Elle me dit, ouais, demain on se voit, mais si je te dis. Avec qui je serai, tu vas pas vouloir qu'on se voit et tout. Et moi je commence à paniquer, je me dis attends mais comment ça avec qui tu vas pas venir tout seul. Et en fait le truc c'est que elle m'annonce qu'elle a un enfant genre. Hein? T'es enceinte? Elle m'a non mais elle a un enfant déjà genre il a 2 ans son gosse genre. Mais elle m'a pas dit ça à la base tu vois. Et moi Elle du a pas coup dit qu'elle avait un kid? non de 2 ans. Quoi? Oui, et du coup, moi je suis là, moi je le prends pas bien, tu vois, bah nickel, tu vois, mais pourquoi je le prendrais mal et tout? La mission. De quoi la mytho? Oui, bah oui, elle mentit, parce que voilà. Et du coup, elle me dit ça et tout. Et moi pendant l'appel, parce qu'on était dans l'appel, moi j'étais en mode, j'étais en mode content, tu vois, bizarrement, je sais pas pourquoi, genre, j'étais en mode, bah vas-y, au calme, c'est pas grave si t'as un enfant et tout. Et genre, j'étais en mode content et tout. Je te jure, mais bon, au final, voilà. Et genre, du coup, le lendemain, bah, elle vient avec son petit, genre, elle me présente son fils et tout. Genre, ça se passe plus ou moins bien. Imagine si ça a été possible. En fait. Vincent, hein, comment t'as connu maman? Bah, on est déjà fortnite ensemble. Je te jure, ça a été ça. Ouais, mais. Mais genre, ouais, ça se passait plus ou moins bien jusqu'à que à chaque fois je lui parlais, tu sais, elle me faisait des réponses un peu froides, tu vois. Je m'intéressais un peu à elle et tout. Et à chaque fois, je lui posais une question, tu vois, elle me disait, je sais pas, t'es chiant à être négatif, alors que pas du tout. Et du coup, j'étais un peu pris la tête, tu vois, j'ai même. J'ai pris la tête et tout. Puis après, elle est partie. Et puis. Et puis de nouveau elle m'a pas reparlé. Puis genre une semaine ou deux après que je suis allé la voir chez elle, eh ben, elle avait un autre mec, tu vois. Déjà. Elle a changé de mec, tu vois. Avec un gamin de 17 ans en plus. Quoi? Avec Avec un homme? 20. Mais c'est pas si grave, tu vois. Mais genre je te dis ça parce que ben, elle me dit ouais mais lui il est plus mature que toi et tout. Oh ma gueule. Alors qu'il a 17 ans, elle me sort, elle est plus mature que moi. Allez, vas-y, vas-y, bouge de là. Eh ben, Mec. moi j'ai déjà sorti avec un gars un an jeune que moi, là. Je vois Mais... c'est. T'as dit quoi? J'ai déjà sorti avec un gars, genre un an plus jeune que. Ah, je vais mourir Non encore, mais je suis un an plus tarée. jeune, c'est rien, wesh. Mmh. C'est rien, ça. Ah, je sais pas, mais c'est plus. Et lui, on va faire la fille plus jeune. Plus jeune. Genre, admettons, un gars de 19 sort avec une fille de 17, genre, je trouve que c'est plus bien vu que. Un gars de 17 ans sort avec une fille de 20. Ah ouais, moi j'aurais plus dit le contraire. Hein. Non. Ouais, enfin après ça dépend des points de vue des gens. Bah ouais, du coup elle change de mec et tout, donc là si j'arrête de lui parler complet. Puis après je revais lui parler, genre vas-y on va dire un mois et demi après. Et elle me dit qu'elle est plus avec son mec déjà, tu vois. Je lui dis ah bah tu vois. C'est pas moi le problème quoi. Genre tu sais pas tenir un couple quoi. Et puis voilà mal pris, évidemment. C'est normal. Mais puis après on se parle un peu, on commence à. Larry.
C'est comme bizarre, j'espère. Ton micro il bug. Et pour toi là, c'est toute musique. Mégane, ton micro il bug. Allô? Ah, c'est bon. C'est bon, il bug plus. Mais du coup, pour finir mon histoire, c'est que tu vois, il y a 2 semaines, j'étais en live. Je crois que c'était 2 semaines. Je fais un live tranquille et tout. Et elle vient sur mon live. Avec comme pseudo, tu manques sale fou. Mais oh, tu vois, non. Genre, mais je sais pas, c'est elle à la base. Et je dis et tout. Après, elle m'a dit, bah devine qui c'est. Il y a c'est que. Comme moi, la fois que je t'en voulais, je te parlais sur Twitch. Genre, je disais, je suis Alexandre, je sais pas quoi. C'est ça. Mais du coup, elle revient, tu vois, du coup. On se reparle et tout. Et de nouveau, bim, elle me reparle. Genre, la fille, elle vient me parler que quand elle veut, tu vois. Du coup, ça m'en fout. C'est un peu chiant. Mais t'as juste un peu lui parler. Les filles, ça leur gosse quand tu donnes. Genre, un gars, je retrouve ta chambre. Les fois, ça gosse. On dit qu'un gars, genre, qui s'en fait un peu. Mais là, ça fait stresser. Toi, t'es en train de dire que c'est de ma faute, hein? Ok. Non. De quoi, si tu es trop attaché ou je sais pas quoi? Ah, mais toi, un bon petit chien qui revient toujours. Oui. Mais c'est pas moi qui revient. Enfin, pour le coup. Ouais, mais genre, maintenant, tu pardonnes. Ouais, mais là, j'essaye de l'oublier tout, et à chaque fois que j'arrive plus ou moins à l'oublier, elle revient comme ça, comme une fleur, en mode yo, ça va quoi? Et après, le lendemain, elle me reparle déjà plus. Genre, la fille, je sais pas à quoi elle joue, quoi. Genre, il y a un des gars, avec qui je parle. Dans son ex, elle est un peu genre. Il me fait chier, c'est. Je sais pas pourquoi, genre, il me semble que genre. Moi, quand je me sépare avec quelqu'un, je suis plus mensuel. Ça, on se parle plus, on s'en souvient à soi. Et celui-là, je comprends pas. Genre, elle a un nom, mais. Et. Je sais pas. Elle veut seulement, genre, faire chier mon ami, là, toujours. Parce qu'il y a un genre. Et son compte Insta, Snap, etc. Ah. Je trouve que c'est juste stupide. Ah là, ça m'a fait mal. Ah non, je suis tombée. Je vais mourir, évidemment. Attends, il faut mettre la bleed. Je vais en mettre. C'est quoi ça se passe? C'est bon, c'est fou. Prends-toi, mais il va vraiment sans piège. Attends, je vais remettre un peu des pièges parce que. Vincent. Ouais. Un conseil que je peux te donner là. Dis-moi. Genre assez de pas trop t'attacher, genre. Personne qui se connaît. Ça c'est pas une timing là, mais genre je pense pas déjà ouais, c'est la fin de ma vie, je sais pas. Bah ça va avec elle hein. Ouais. Bah je m'en fous des gens, tu le sais. Ah, depuis que tu me connais, je suis désolé, mais est-ce que tu m'as vu. Tu m'as vu avec beaucoup de personnes. Non. Ouais, c'est ça mon problème, je m'attache trop aux personnes après, genre, ça me fait pas peine. Ouais, je vois. On est un peu pareil sur certains points, mais. Je sens plus mes orteils.
Je m'étais rendu compte de ça avec toi quand t'étais avec, avec l'autre là. Donc. Ah, il y a un enfant. T'as dit quoi? Il y a un kid. Qui? ZX? Tu lui parles encore? Tu lui parles Non. encore? Il m'a parlé une fois, il m'a dit. Il m'a montré une photo, j'étais genre, c'est qui, c'était ta nièce. Il m'a dit non. Il m'a dit que c'était son enfant. J'étais genre. Il n'a pas perdu de temps, si ça faisait genre un an qu'on était plus ensemble. Ah, ça va vite, hein. Incroyable, il n'aime rien. Oh bah lui, tu te doutes bien que lui, il a pas de mal à se faire des meufs, hein. Je pense que c'est la pire relation que j'ai eue de ma vie. Vous savez, il était tellement toxique. Ah, je vais pas lui réagir à ça. Pauvre Sablon, nous a certainement. Je te dis, je vais pas réagir à ça. Je sais pas. Je sais pas pourquoi je suis seule. Aucune idée. Ça fait des popos. Ah, tchè! Il me fait des C'était un popos. mauvais moment pour moi, ça aussi. Ça a tellement changé. Ah non, je suis mort. Oh, j'en ai marre. Un pas? Ça avait tellement changé entre eux quand t'étais avec lui, donc. Ouais. Genre, on se parlait tout le temps et tout, puis après, ça a changé. Je vais toujours lire une pile. Attends, je t'en. Mais bon, t'as raison. Moi, j'ai énormément appris, en tout cas. Ah, c'est bien parti en vrai pour qu'on gagne. Ouais, mais tu jouais pas et j'avais la même idée que toi. Vas-y, tu peux en mettre sur les autres côtés si tu veux. Ouais, j'en mets. C'est la 20, c'est la Saint-Vincent dans 2 jours. C'est après dans 2 jours? Pas mon anniversaire, mais la fête, ouais. Je sais pas s'il y a ça dans ton pays. Non. Genre la Saint-Mégane et tout. La Saint-Mégane. Non. Dans le calendrier, il y a des prénoms sur les jours.
Non? Ok, bon Non. bah. Faut que je te montre ça alors. Si tu trolls ou vraiment? Ok, bon bah je vais te montrer après. T'as déjà eu un calendrier dans ta vie, non? Non. Ouais, je suis troll, c'est bon, tu trolls. Jamais depuis la lendemain physique. Ok, là je te montre après. Je Je te montre après, je te montre après. J'arrive. T'inquiète, t'inquiète, t'es pas obligé de me dire. Hein. Te fais ce qu'on te voit. Je vais te mettre des sons. Attends. Je vais mettre un peu de son. Hop, j'en fais 10. Ça finit jamais ou quoi? Moi j'ai faim par contre. Je vais faire un peu de ça aussi. C'est quoi, je me teste, hop. C'est appuyant sur ça. Ok, ça fait comme une main en fait. Ok. Avec des fracasseurs là, ça va être tendu hein. Au pire, occupez pas de fracas. J'ai des mini-mobs. Oui, mais s'ils cassent les middle, c'est fini après, c'est vrai.
Oh, elle est rapide en vrai. Je pense que tu fais pas kick hein, par contre. Normalement, ça devrait être ok. D'après, est-ce que je fais pas la strat? Enfin, la strat. Comme c'est vague 11 au final, les deux minibus, j'ai dit vague 12. C'est 8, 11. Il faut pas qu'il pète le dernier mur, quoi, sinon tous les pièges seront. Ah non, c'est bon, il s'est raccroché là-bas. J'ai rien dit. On attend les 25% pour le colis. Hop, c'est timing parfait. Hop là. On aurait mis à 100%, c'est propre. De merde, je vais passer au-dessus, ça peut marcher. Bon, évidemment, le plombeur c'est plus une arme de déplacement, mais bon, je les joue en dégâts comme un débile. C'est pas ouf. Bon, là, fais gaffe, il y a 3 mini-boss, je crois. Pas sûr. C'est la prochaine vague, j'ai rien dit. C'est pas cette vague énorme. Je connais pas le jeu en fait. Il veut quoi lui? Oui, je vois rien. Bon, on va refaire les 1h10 de tout à l'heure. Ça c'est plutôt cool. Hey, avec toi on est allé plus vite qu'avant en vrai. C'est nice. Attends, mais il est en aventurier. Mais non, soldat. Ouais, c'est ça. Une clash de chaque. Ouais, si on gagne gros, je suis trop content. Je sais pas pourquoi, mais. Je vous montre un peu le plombeur.
Ah ouais, j'ai mis un 200k là. De dégâts. Avec les kunai. C'est propre. Un crit. 180 000. 200 000. Oh, mais ça. C'est propre, ouais. Merde. Ouais, bon, t'as le risque que ça fasse ça, quoi. Allez, 25% qui arrive. Est-ce qu'il y a le colis ou pas? Non, ok. On est en cours de build là, ouais. Bon, j'en ai encore 8, lui il en a 3, ça fait 11. Ouais, je sais pas si ça va tenir tout ça. A voir, à voir. J'ai pas mis un son moi à la base. Petit son, hop là. Oui, un fracas encore, ok. On améliore tout ça. 1, 2, 1, 2. Ce glaçant, j'en ai un là. Hop. Que je vais mettre ça là. Let's go! On est bon là, c'est un plaisir. Vague 16, plus 4. Oh Marie, si tu savais tout le mal que l'on m'a fait. Que l'on m'a fait. Se mit dans quel navire ? Tout le mal que l'on m'a fait. L'on m'a fait, ouais, je connais pas par cœur la musique, je t'avoue. Toujours pas cette vague, ça va, c'est facile. Allez, on va tester. Aïe, aïe, ça fait zéro dégâts. Toi, par contre, t'es chiant. Ouais, il est sympa le plombeur. Ça étourdit les zombies. Ça tape plutôt vite parce que je l'ai mis en obsidienne, bien évidemment. En vrai, propre. Hein. En vrai, c'est un peu une main. Hein. Wesh, il est en train de danser, ça a quand même explosé la bombe. T'es un connard, gros. Il est en train de niquer mon délire, l'autre, là. Frère, je suis gestionnaire de bleed ou c'est comment, frère? C'est trop...
Après ouais, contre un Mastox c'est assez... Oh quoique ça va. Hein. Bon allez, j'ai un peu de roquettes pour le les mini-boss après. Allô, faut taper le zombie. Ok, le petit L2 qui fait 150 000 dégâts, 80 000, ok. Propre. Putain, les zombies sont quand même 260 et en vrai c'est pas mal hein. Allez, la vague fatidique. Si on la passe, c'est win. Non, je déconne. Je déconne, je déconne. Il y a la dernière aussi où il y a 3 mini-boss. Je sais pas, un petit classant là qui entraîne. Non. J'avais pas vu qu'il avait fait ça propre. Propre, propre. Hein. C'est clean, c'est clean. C'est clean, ma gueule. Hop, je rajoute même ça si tu veux. Il bosse, attends. Il est où? Il est en bas. Oh lui il est facile à tuer gros. Le fils de pute. Nice. Sont les deux autres. Et il l'a emmené dans le vide. Nice. Mais j'en ai eu un au moins. C'est plutôt cool. Nice. Des mecs intelligents dans la game. Ça fait plaisir. C'est Kilo qui est toujours là. Pas bougé. Non, c'est normal. C'est normal. Aïe, ça fait vraiment 600 000 de dégâts cette merde. La bombe là. J'aurais dû le mettre en énergie, je sais pas si on pouvait. Ça aurait été propre. C'est pas un éternuement ça, putain. En gros, je suis trop mignon quand j'éternue, frère. C'est grave.
Merde, ça va rien ça. Bon, normalement les deux suivantes sont tranquilles, puis après la troisième, la dernière, on verra bien. On a encore 11 bleus, ouais c'est bon, on est dans les temps. Hein. Je pense qu'on peut win. Hein. Si on fait pas les cons, c'est win. Hein. Ça serait trop bien de win. Parce que du coup ça ferait ce défi là. Bon il sert à rien mais... Il est où? Celui là. Un cador quand même, mille d'or, tranquillou. Et l'autre en soldat, c'est bizarre, je l'ai pas vu. Qu'il était en soldat. C'est lequel qui est en soldat? C'est Stéphane. J'ai testé contre des zombies d'eau. J'ai testé sur du feu, j'ai testé sur du nature. J'ai testé sur de l'eau. Ça change rien, je pense. Ouais, c'est ça, ça change pas grand chose. Ah, quoique, ça prend quand même un peu plus de temps. Hein. Enfin, en vrai, ça prend du temps. Hein. Ouais. Mais j'ai pas mis un glaçon moi. En vrai il est pas si dégueu hein. J'aime bien le point bar. Allô? Oh, ouais. Ah désolé. Oh mais t'inquiète hein, normal. Oui allô, c'est salon funéraire. Oui c'est juste pour dire que c'est que pour aussi. Désolé. Oh ma gueule, je suis désolée. Ah oh, oui ça va être bien. Désolée. Mon père a décidé. Ah, je vais monter. Vous allez lancer un peu de temps. Pensez que ça va me dépouiller. Non, t'inquiète, on voit, c'est clean. C'est pas trop dur depuis tout à l'heure en plus, il reste deux vagues hein, du coup. Deux. Donc ouais. Attends, oui.
Oui, c'est vrai, vous pouvez venir la chercher. Il y a des marches, on est tout à l'heure. J'ai appris ça va finir pour qu'il aille chercher ma grand-mère. Yep. Genre mon père est en train de la mettre. En train de faire quoi? D'attendre ma maquine. Oh. Mais il est en train de genre la rendre bête en tant que ça. Yes. Et désolé, hein, je suis peut-être en bien. Non, t'inquiète, t'inquiète, c'est cool. Enfin, c'est pas cool, mais c'est pas très... C'est cool. Allez, pas dans ce sens. Mais non, mais... Pas dans ce sens-là. Il reste combien de temps? Deux. Et un. Voilà, 19, là, puis après, la vente. Et on gagne quoi? On gagne quoi? Rien qui pourrait t'intéresser. Rien qui pourrait t'intéresser. Une bannière. Enfin, je rigole, c'est faux. Il n'y a même pas de bannière en plus, ça fout le seum. Moi aussi, il y avait une bannière. Ouais, mais non, vu que j'ai mis qu'en 100. C'est dommage. Donc, c'est pas grave, au moins, on en réussit. Enfin, peut-être. Ça se trouve, on va perdre la dernière vague, hein, on sait pas. Ah, il y a une musique, mais je l'ai déjà. Ah. Effectivement, tu l'as déjà. La manche, elle n'est pas finie. Non. C'est des longues manches, un peu comme les endurances, quoi. Je vais chercher le bleu lit. Bah, il en a neuf, notre camarade, mais... Vous nous en manquez, non? Bah, sachant qu'il reste que deux vagues, non, je pense que c'est clean, hein. Enfin, c'est cool. Après ça, je vais devoir te laisser. Ouais, t'inquiète, c'est pas de soucis. Je vais rester avec ma famille. T'inquiète, bah normal. J'espère que je peux trouver ta famille.
Une Ah d'accord, je suis mort. Pas compris comment, mais je suis mort. Non, je vais mourir. Je suis mort, mais je sais pas pourquoi. Parce que t'es nul. T'es mort 4 fois dans la game. Parce que je t'ai AFK. Oh. Je suis pas nul. Merde. Pourquoi tu t'es appelé Chan le mouton en fait? Comment ça? Sur YouTube. Mais c'est ça qui est. Non, non, il y a écrit Chan la mouton, le mouton, je sais pas quoi. Tu m'as mis un commentaire, il y a écrit Chan le mouton. En fait, j'ai trop mes amis. Ils oh, s'appellent okay. Chan, mais j'appelle Chan le mouton. Chan le mouton, ok. Ah là là, cette fille. Ah non, non, le lait est où? Non, on est par le sol. Je peux la chercher. Bon allez, cette dernière vague, va-t-on gagner ou pas? Telle est la question. Faudrait peut-être mettre la bulle là, du coup, ce serait une bonne idée. Merci, c'est cool. Ah là, les trucs sont mauvais. Ok, j'ai compris. À chaque fois que tu mets les trucs, la zone a... Ok. Alors, agrandi. Ou alors rétréci. Genre, j'avais plus compris. Ça donne 4 de vie. Je suis riche. C'est quoi cette pause? Oh my god. Regarde, on se pose pyramide avec ça. Quoi? Le truc. Oh, y'a des mini-boss. Ouch, je t'ai fondé. Ah! Non, je suis morte! Est-ce que tu peux me donner un peu de temps? Non. Ah, on a le nouveau. Merde, je suis désolée. J'espère que vous allez gagner. Ouais, t'inquiète. J'ai vraiment pas envie de. Je vais une tuer un. Aïe. Non, faut pas que tu viennes ici, toi. En fait, il faut mettre la bleuite. Il est où le mec avec sa bleuite là? La bleuite. Mais gros, il est parti avec le mini boss alors que c'est lui qui a la bleuite. Il est con. Bon, on a perdu hein, du coup, GG. Hein. Il est con, il a toute la bleuite. Ah bah, on a perdu. Oh, mais il est con. Bon, bah, on a perdu hein, Mekan. J'ai pas de bleuite, personne a de la bleuite. Ah, c'est la pire défaite, gros. On avait tout géré, gros. C'est pas qu'on va perdre seul. Si, si, on va perdre vu qu'on a pas de bleed, vu que ce bouffon il est parti je sais pas où avec la bleed. Putain.
Je suis en train d'essayer de trouver de la bluie pour Carrie, mais vas-y, ça va être trop dur là. Oh, il y en a là. Regarde. Oh, derrière. Non, mais là, j'ai pas le temps. Il faut que je la mette vite. Vite. Elle est là. Oui. C'est bon, c'est pas fini. Aïe. Non. Non, ça y est. Mais là, il faut que ça y est. Oui. C'est bon. J'ai carré clairement là. Ouais. Wesh. J'ai pris toute la boulette ou la boulette. Non, là il y a plus de boulette, mais non, ça devrait le faire. Combien de temps, quoi? Je sais pas du tout. Sinon, c'est de overbulb pour que tu penses. Là, overbulb. Non, mais c'est bon, t'inquiète, là, il n'y a pas besoin. Faut juste que je trouve la boulette au cas où. Attends, je vais en chercher. Où je peux en trouver? Là-bas, il y en a une. Attends. Vite, 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 vite. C'est pas la bleue du gars qui est mort? Ah non, elle est en dessous. Mais quoi? Vas-y. Moi, je sais, je l'avais vu. Bon, oh, c'est bon aussi. Il reste combien de minutes, là? C'est pour moi. Ce move est incroyable quand même. Il est là, je crois. Il y a une bulle. C'est bon. 9, 8, 7, c'est bon. Let's go. Let's go sur ce move incroyable de Müller 7. Let's go. Müller 8. Ce move incroyable. Oh, heureusement que je suis allé chercher cette brute, on aurait perdu sinon. Ouais. Let's go. Moi j'ai été moins enthousiaste que Flash et j'ai été un peu comme. Dommage qu'on était pas ensemble ensuite du coup. La bannière. Let's go, ce move. Bon bah GG hein. J'ai un jury.